parti donc pour cette épreuve avec tout de suite eh bien, aux avant-postes. Vous pouvez s'y attendre, Robert qui a pris un excellent départ. Alors qu'on vient maintenant en seconde position et va prendre l'avantage avec Milo qui a pris l'avantage, donc avec Eder qui vient en seconde position, on est en troisième position avec Orly qui passe qui complète l'écart actuellement. La concurrence dans le tournant est toujours une allure très régulière en tête avec Milo qui a librement l'avantage, alors qu'Orly Molly vient maintenant en seconde position, on est en troisième position, on a été légèrement repris avec Eder et Jadonguier qui ferme la marche du peloton. La concurrence aborde le début de la ligne opposée. Milo qui a toujours librement l'avantage avec Margot Moisson, Orly Molly, Valentin Leclerc qui vient maintenant en seconde position, bien calé dans son dos. On est en troisième position avec Eder, les concurrents qui sont maintenant en ligne opposée. Et pas de changement notable en tête actuellement, c'est-à-dire Milo qui emmène toujours le peloton, et ceci depuis le début de l'épreuve avec Orly Molly qui vient maintenant en seconde position. On est 3-4 longueurs plus loin avec Eder qui ferme la marche du peloton. Les concurrents qui vont aborder maintenant le tournant avec Milo qui est super fait de poids de la course avec Margot Moisson et qui va tenter de se relancer. Alors Little Molly vient toujours en seconde position et attend son heure dans le sillage du leader. On est en troisième position avec Eder qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents vont maintenant déboucher dans quelques instants et bien dans la phase finale de cette épreuve avec Milo qui semble toujours avoir l'avantage et les choses bien normales avec Little Molly qui va tenter maintenant de lui mettre la pression. On est toujours en troisième position avec Eder. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final et la lutte fait rage en tête entre Milo et maintenant qui vient avec Little Molly et Eder qui va tenter de se ressaisir et repart de plus belle maintenant avec Milo qui prend 2-3 longueurs d'avance. Milo qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve de bout en bout. La seconde place pour Little Molly, la troisième place pour Eder.